Quelques jours après notre week-end à Kintamani, où nous sommes montés sur le mont Batur, nous avons dû quitter Bali pour des questions de visa. À ce moment-là, j'étais déjà à Bali depuis 2 mois, avec un visa d'un mois renouvelable une fois. Et le seul moyen pour moi de pouvoir rester plus longtemps à Bali était de quitter le territoire indonésien pour au moins 24 heures. C'est les règles de l'immigration indonésienne qui veulent ça. Je savais dès mon arrivée que j'allais devoir organiser un week-end en dehors de l'Indonésie. Et où sommes-nous partis ? En Malaisie, plus précisément dans la capitale, Kuala Lumpur. C'est pas forcément une destination qu'on aurait choisie au premier abord, puisqu'on préfère la nature à la ville, mais ça faisait du bien de voir autre chose pour quelques jours. On mise donc sur le minimalisme en termes de bagages, puisque nous ne partons que 4 jours. Ici, je trie mon maquillage pour ne prendre que le strict minimum, à savoir du mascara et de l'anti-cerne, mes deux indispensables. Pour n'importe quel voyage, qu'il soit court ou long, j'aime noter sous forme de liste tout ce que je ne dois pas oublier, puis rayer les tâches accomplies au fur et à mesure. Ça m'aide énormément à rester organisée et à ne pas paniquer à la dernière minute. Ça y est, je crois qu'on est enfin prêt. Et notre aventure urbaine commence ici. Les plus connus de la ville sont les tours Petronas. Et ça tombe bien, notre Airbnb était juste à côté. Du coup, on part se balader dans le centre-ville. Au pied des tours jumelles se trouve un immense centre commercial. Et comme on n'en a pas vu un depuis des mois, on est allé y faire un tour.
premier tour, il y a une très belle et grande place avec des fontaines, ainsi qu'un grand parc. Bienvenue puisqu'ils apportent de l'ombre et de la fraîcheur dans une mégalopole étouffante où il fait dès le matin plus de 30 degrés. Kuala Lumpur s'achève. Dans la prochaine vidéo, je t'emmène découvrir les grottes les plus célèbres de la région. Peux-tu deviner desquelles il s'agit? Partage ta réponse en commentaire. Et surtout, pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À bientôt!